Les regrets d'une vie, les larmes d'un homme ne couleront jamais comme les pleurs d'une femme. Ferme sous l'équipe est ton cas. Hush, hush, l'équipe est ton cas. Hush. Yo l'équipe, c'est Sang et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5 Online. Avant que la vidéo commence l'équipe, comme d'habitude je vous invite à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc l'équipe, comme soir au titre de la vidéo, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment augmenter votre niveau de réputation à l'atelier de l'auto. Vous allez voir que c'est super facile. Donc pour ma part, en début de vidéo je suis niveau 2 et vous allez voir qu'avec une simple vidéo on va terminer niveau 5. Donc l'équipe, pour la première astuce, vous allez vous rendre au salon donc de l'auto et vous allez vous rendre au niveau des véhicules à tester. Donc tous les jours l'équipe, vous avez la possibilité de tester des nouveaux véhicules. Et donc là l'équipe, vous avez donc 3 véhicules. Ce que vous allez faire, c'est très simple, c'est que vous allez vous approcher d'un nouveau véhicule, vous allez faire triangle pour le tester et vous allez aller le tester avec d'autres joueurs. Et vous allez voir l'équipe que à chaque fois que vous allez prendre un nouveau véhicule à tester, votre niveau de réputation va augmenter. Et donc je vous invite à faire cette manipulation là tous les jours avec les 3 véhicules. Comme ça vous allez voir l'équipe que à chaque fois votre niveau de réputation va augmenter. Regardez l'équipe, là j'ai pris un seul véhicule et j'ai déjà pris un niveau de réputation. Donc c'est super rapide et super facile l'équipe, ça prend quelques secondes. Donc je vous invite donc à faire cette manipulation là tous les jours. Vous allez vous rendre au salon donc de l'auto et tous les jours vous allez tester les nouveaux véhicules qui sont disponibles. Et vous allez voir que à chaque fois que vous allez tester un nouveau véhicule, vous allez avoir la possibilité donc de gagner un nouveau niveau de réputation. La deuxième astuce l'équipe, c'est aussi super simple. Vous allez vous rentrer avec votre véhicule personnel dans le salon de l'auto. Vous allez donc monter dans votre véhicule, vous allez faire carré pour afficher les options et vous allez faire flèche de droite pour pouvoir aller modifier votre véhicule directement au salon. Dans le salon l'équipe, c'est super simple, vous allez vous rendre au niveau des roues. Dans les roues, vous allez vous rendre dans les pneus et au niveau de l'apparence des pneus l'équipe, c'est super simple. Vous allez mettre les pneus avec faible adhérence et regardez, quand on met les pneus avec faible adhérence, on va gagner des niveaux de réputation également. Donc je vous invite à mettre les pneus avec faible adhérence sur tous vos véhicules, ça coûte que 500$, c'est pas cher du tout. Et comme ça, en mettant les pneus avec faible adhérence sur tous vos véhicules, vous allez avoir la possibilité de gagner à chaque fois un nouveau niveau de réputation ou en tout cas à augmenter votre barrière au niveau des niveaux de réputation. Une fois ceci fait l'équipe, la troisième astuce est tout simplement au niveau des vêtements, au niveau du salon. Donc regardez, quand vous allez vous rendre au niveau du vêtement du salon, vous avez donc la possibilité d'acheter des vêtements. Et regardez l'équipe, toujours en achetant des vêtements, vous avez également la possibilité d'augmenter votre niveau de réputation. Regardez l'équipe, j'ai acheté un pull et en achetant le pull l'équipe, j'ai bien augmenté mes niveaux de réputation. Franchement l'équipe, c'est super simple ces astuces, mais en faisant ça tous les jours, vous allez voir l'équipe que vous allez augmenter votre niveau de réputation super facilement. La dernière astuce l'équipe, c'est super simple, vous allez vous rendre au niveau de l'organisateur des courses et vous allez pouvoir tout simplement lancer une course de rue et tout simplement l'équipe, en participant aux courses de rue, vous allez pouvoir augmenter votre niveau de réputation. Donc le mieux l'équipe, c'est de finir premier et en finissant premier, vous allez voir que vous allez pouvoir gagner un maximum au niveau des niveaux de réputation. Pour ma part l'équipe, j'ai fait la course de rue depuis l'organisateur et malheureusement j'ai fini 5e, donc j'ai pas gagné énormément au niveau des niveaux, mais en faisant des courses au niveau de l'organisateur, vous allez pouvoir gagner un maximum de niveaux de réputation. Et vous allez donc l'équipe faire ces étapes tous les jours tout simplement. Vous allez répéter ces étapes tous les jours et vous allez voir qu'en faisant ça l'équipe, vous allez pouvoir gagner un maximum de niveaux. Et grâce à ces niveaux là l'équipe, donc en augmentant votre niveau de réputation, vous allez avoir la possibilité de débloquer de nouveaux accessoires, donc par exemple des nouveaux vêtements. Vous allez également avoir la possibilité de débloquer des nouveaux accessoires au niveau des nouveaux véhicules qui sont sortis avec le DLC. Vous allez pouvoir avoir des articles qui seront gratuits, des articles qui seront moins chers, etc. Donc n'hésitez vraiment pas l'équipe à répéter ces étapes tous les jours. Et vous allez voir qu'on va donc pouvoir gagner un maximum au niveau des niveaux de réputation super facilement. Voilà l'équipe, on arrive à la fin de la vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu l'équipe, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, liker et partager. Et ciao tout le monde.